Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Amorcée, je m'appelle Cynthia Fournier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme ça, vous serez le premier à regarder quand je mettrai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez réussir sur TikTok. Je vous invite à regarder attentivement du début jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail. Pour réussir sur TikTok, vous mettez 1 à 2 vidéos par jour, tous les jours. 1 à 2 vidéos par jour. Dans vos vidéos, ce qui est important aussi, c'est de mettre les hashtags. La qualité de vos vidéos, c'est important. Il faut qu'on voit vous, clair, l'écran de vos téléphones, clair. Le titre aussi, c'est important. Vous mettrez en haut le titre. Ensuite, ce sera vous, la vidéo que vous faites. En bas, ce sera réservé aux hashtags. Pour les hashtags, vous pouvez mettre, par exemple, hashtag music, hashtag sport, hashtag TikTok, hashtag fête, hashtag comédie, hashtag fitness, hashtag danse, hashtag sport, hashtag drôle, hashtag joie, hashtag manger, hashtag nourriture, hashtag fitness, hashtag pour toi, hashtag drôle, hashtag for you. Vous mettez 1 à 5 hashtags maximum. La durée de vos vidéos doit être entre 10 à 15 secondes. Si vous mettez tous les jours les vidéos, ça vous permet d'avoir beaucoup d'abonnés, plus d'abonnés, beaucoup de personnes qui vont venir voir vos vidéos, beaucoup de personnes qui vont laisser les commentaires, beaucoup de personnes qui vont cliquer sur j'aime, beaucoup de personnes qui vont faire des duos avec vos vidéos, beaucoup de personnes qui vont partager vos vidéos avec leurs amis, leur famille, leurs enfants, leur famille. C'est pour ça que c'est important de faire tous les jours les vidéos, 1 à 2 vidéos par jour. Je répète, dans vos vidéos, les hashtags sont importants, 1 à 5 hashtags maximum. La durée de vos vidéos doit être entre 10 à 15 secondes maximum. La qualité de vos images sont très importantes. Il faut qu'on voit la vidéo claire, l'écran de votre téléphone clair. La durée entre 10 à 15 secondes. Vous pouvez mettre par exemple la vidéo sur la danse, vidéo sur la comédie, vidéo sur la nourriture. La nourriture, par exemple, vous pouvez vous filmer en train de faire la cuisine, par exemple, faire les pâtes, musique, vidéo sur la musique, vidéo sur les musiques, vidéo sur la danse, vous filmez en train de vous danser, vidéo, par exemple, vous apprenez aux autres personnes comment on fait des pâtes, comment on fait légumes, comment on fait des gâteaux, etc., etc. Vous mettez des vidéos que vous aimez. Quand vous avez fini de mettre des vidéos, si vous n'avez pas envie de mettre les vidéos en ligne, vous pouvez enregistrer vos vidéos au brouillon. Pour mettre les vidéos en ligne, vous cliquez sur la touche croire plus. Je répète, pour mettre les vidéos, vous cliquez sur plus, ensuite sur la touche ronde, rouge. Quand vous avez fini de vous enregistrer, vous cliquez sur la croix, comme ça. La croix, comme ceci, rouge. Quand vous cliquez dessus, la vidéo se sera mise en ligne automatiquement. Si vous n'avez pas envie de mettre vos vidéos en ligne immédiatement, vous pouvez enregistrer les vidéos au brouillon. Il suffit de cliquer juste enregistrer au brouillon. Vous cliquez juste brouillon. C'est enregistré. Ce sera enregistré automatique dans vos brouillons. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Amorcée, de cliquer sur j'aime, de partager, de cliquer sur j'aime aussi. Toutes mes vidéos sont en bas de description. Toutes mes vidéos que j'ai déjà faites sont en bas de description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Amorcée, de partager, de cliquer sur j'aime. Dans ma prochaine vidéo, ce sera une surprise. Et à bientôt dans ma prochaine vidéo.